Je m'appelle Sophie, je suis énergéticienne. Alors, en quoi consiste le travail d'énergéticienne? C'est de déplacer l'énergie pour que la personne ou les lieux se sentent plus légers, moins encombrés par d'autres énergies trop lourdes et non vibratoires. Alors, j'ai voulu rendre accessible des nettoyages énergétiques, puisqu'il faut se le faire pratiquement tous les jours. Nous avons donc tous les jours en mouvement autour de nous et sur nous des parasites énergétiques, donc des énergies qui ne sont pas donc en vibration. Enfin, on les attire parce que elles correspondent en fait à nos émotions. Et donc à chaque fois que nous avons donc des émotions négatives, des émotions des émotions donc négatives, ou des croyances, voilà, des croyances qui sont limitantes. Donc nous baissons nos fréquences, notre taux vibratoire se trouve beaucoup plus bas et nous attirons des énergies donc de la même vibration. Alors je vais vous présenter donc mon oracle qui permet donc de se faire un soin. Alors il a deux fonctions. Il peut donc être utilisé individuellement, c'est-à-dire en nettoyage journalier. Donc il y a 43 soins. Alors, sur la boîte il est indiqué 45 cartes parce qu'en fait ils ont compté deux fois. Au départ je voulais en fait faire une carte qui expliquait donc comment utiliser cet oracle et ensuite une autre carte de comment lire l'oracle, mais donc à l'impression ils m'ont fait une seule carte et c'était trop tard pour refaire en fait la boîte de présentation. Alors du coup vous avez bien 43 soins, cartes de soins, et donc forcément une seule carte. Voilà, je tenais à l'expliquer parce que on m'a déjà posé la question lorsque la personne a reçu en fait l'oracle. Et toutes les cartes sont plastifiées. Donc, toutes les cartes sont plastifiées. Hop. Elles sont brillantes. Elles ont toutes la même image au niveau du dos. Alors, il y a la notice qui se présente comme ça. Elle est différente. Elle permet donc de s'enlever facilement du jeu, de pouvoir lire comment lire cet oracle et comment utiliser cet oracle. Ensuite, donc j'ai voulu une boîte cartonnée parce que c'est beaucoup plus pratique et la boîte elle peut se trouver un petit peu abîmée, mais au moins les cartes elles sont protégées. Donc elle est cartonnée. Voilà. Un petit blabla derrière. Je vais faire une présentation. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que mon oracle a deux fonctions. Pour les voyantes et les médiums, vous pouvez faire des tirages pour vos clients, clientes. Ensuite, vous tirez cette carte à la personne, vous pouvez lui faire dire en fait la phrase. Parce que vous allez lui tirer la carte. Vous allez dire, ah, bah, vous avez besoin, en fait, votre problématique, c'est la purification des chakras. Au lieu d'envoyer donc la personne à utiliser un autre support, vous pouvez en fait lui faire dire la phrase qui se trouve en dessous. Le fait de dire la phrase, elle va activer ses propres systèmes. Elle-même. En fait, c'est comme une phrase, une suggestion. Voilà. Les phrases qu'on se dit à soi-même en fait. Sauf que là, vous avez plusieurs catégories de soins de nettoyage. Donc ça vous évite, vous, de chercher quelle problématique la personne, puisque vous pouvez donc tirer la carte. Donc tout le monde peut se tirer les cartes en fait. Hein. Soit vous le faites par rapport à votre ressenti, soit vous le faites en radiesthésie, donc le pendule. Et bon, pour les médiums et les voyantes, vous savez très bien, donc tirer les cartes
Mais donc voilà, c'était important que je puisse dire qu'elle avait deux possibilités. Donc soit vous êtes voyante et vous tirez les cartes pour les personnes et vous lui dites, eh ben, finalement, vous avez un lien négatif avec un égrégore. Mais la personne elle va se dire, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc là, après, vous pouvez lui dire, écoutez, vous pouvez vous dire en autosuggestion, je demande la transmutation de tous les liens avec des égrégores négatifs. Voilà, elle peut. La notice est dedans, donc c'est-à-dire trois fois. Et ensuite, vous pouvez passer donc à d'autres cartes et d'autres soins. Alors, vous avez une carte qui permet en fait d'enlever des entités négatives. Il faut savoir que chaque jour, nous avons entre 8 et 50 entités qui s'accrochent à nous. Voilà. C'est à savoir. Et donc, ces entités, vous pouvez, hein, c'est pas la peine d'en avoir peur, hein, puisque de toute façon, on vit hein, sur un plan où il y a plein d'énergie autour de nous. Ces entités, en fait, elles viennent simplement pomper votre énergie. Car elle a besoin de se nourrir. Hein. Et donc, c'est pour ça que souvent, vous vous sentez fatigué. Donc voilà, vous avez cette carte qui permet, hein, vous le faites en autosuggestion, et elle permet en fait d'éloigner, parce que forcément, hein, vous allez simplement éloigner l'entité. Alors il faut savoir qu'il se peut que si vous êtes très mouvementé au niveau émotionnel, qu'elle ne puisse pas se dégager en fait, parce qu'elle continue en fait à se nourrir, et nos émotions en fait les nourrissent. Voilà, c'est pour ça qu'on les attire, d'accord ? C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes, je veux dire, le même nombre d'entités accrochées à notre aura. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les citer, mais ce sont des libérations d'énergie que j'ai trouvées durant les nettoyages et équilibrages énergétiques que j'ai fait donc, sur mes clientes. Donc, par exemple, une personne bah, où vous tirez la carte, où vous savez même qu'une personne elle a en fait des liens nocifs avec une personne, vous pouvez donc lui dire, hein, lui faire dire la phrase qui se trouve juste en dessous. Et voilà, ça va la soulager. On est bien d'accord que ça ne va pas régler la problématique, puisque si la personne vit avec la personne ou revoit la personne, les liens négatifs se remettent. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y en a 43 soins. Elles sont numérotées. J'ai essayé de mettre des images parlantes agréables, mais on est bien d'accord que le but hein, c'est de trouver quel blocage je dois enlever et donc de pouvoir dire la phrase qui va faire un effet. D'accord ? À savoir que tout le monde peut se faire les tirages de cartes et tout le monde peut actionner ces systèmes que nous avons donc dans notre corps. Il n'y a pas d'exception. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a rien. C'est simplement, tout simplement, ce qu'on a déjà en nous. Alors, en parlant de magie, donc forcément, il y a aussi une carte, hein, parce que ça, hélas, la magie, envoûtement, mauvais œil, hein, tout ça. C'est une énergie et donc voilà, on peut en avoir fréquemment. Donc voilà, ça vous permettra aussi de vous nettoyer. Donc c'est présenté, ça c'est le mien qui a été déballé. Donc c'est présenté, hein, c'est plastifié, elles sont toutes, tous les paquets sont comme ça. Ensuite, c'est encore dans la boîte, donc est encore plastifiée. Donc elle est bien protégée, c'est bien protégé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation de mon oracle et surtout de vous dire que tout le monde peut le faire et c'est nécessaire parce que je vous dis tous les jours, de toute façon vous pouvez le sentir hein, dès que vous êtes fatigué. Dès que vous êtes fatigué et qu'il n'y a pas de raison puisque vous avez dormi, il n'y a pas de tracas particulier et en fait on peut avoir des entités de 8 à 50 entités. Alors ça va être, on va se sentir lourd, fatigué, un peu surtout nerveux parce que il faut savoir aussi que les entités communiquent entre elles. Donc il suffit que vous soyez bien nettoyé et que votre conjoint ou les enfants, ben, ils ont des entités et donc ça va provoquer de l'énervement en fait avec l'autre personne.
J'avais quelque chose que je devais aussi vous dire. Ça ne revient pas, donc bon. Je pense que ce sera déjà assez clair sur l'utilisation donc de l'oracle. Donc je le vends à petit prix, hein, je le fais à 26 euros. Bien sûr, s'il y a plusieurs demandes, je ferai un prix, aucun problème. Oui, alors ce que je voulais dire et qui était parti, c'est que si vous avez donc votre oracle à la maison, il est valable forcément hein, pour la famille, parce que ça sera vous en fait hein, qui le fera, hein, puisque vous aurez mis votre fluide dessus, mais vous ferez la voyante, si on peut dire, pour donc la famille. Donc il n'y a aucun souci, ça fonctionne, hein, ça a été donc essayé, ça fonctionne bien. Et donc même pour si vous me dites que votre mari ou votre femme est donc cartésienne et ne croit pas à ces choses-là, qui se prête au jeu une seule fois, et après vous verrez qu'il vous fera donc la demande dès qu'il va sentir une différence, parce que forcément dès qu'on est nettoyé énergétiquement, on sent qu'on est différent, et donc dès qu'on est de nouveau pollué, on sent la différence, donc on va aller forcément vers la chose hein, qui nous a soulagé pour retrouver notre énergie fluide et légère. Voilà. Donc ben voilà, je pense avoir fait le tour de l'explication de l'oracle. Et puis ben, n'hésitez pas. Oui, alors donc pour le commander, vous pouvez donc me le commander directement. Alors il faut savoir que dessus, sur la carte, j'ai laissé, je vous ai mis mon adresse mail. Si toutefois vous avez, donc il ne faut pas déborder, mais si toutefois vous avez une question, vous pouvez me trouver, hein, je ne vends pas quelque chose ou c'est fini, vous vous débrouillez. Non, vous pouvez aussi avoir un contact avec moi, il n'y a aucun problème. Donc là, oui, vous pouvez donc me l'acheter directement parce qu'on veut en fait, avec mon fils, les envoyer personnellement à chaque personne. Alors il va se trouver forcément sur Amazon, donc je sais bien Amazon, ok, mais voilà, il fallait que je le mette comment dire, au public. Donc oui, il va se trouver sur la plateforme Amazon. Je n'ai rien contre rien, moi, parce que sinon vous faites un blocage et c'est une croyance, et justement je ne veux pas avoir de croyance ni de blocage. Donc Amazon existe, j'utilise ce qui existe autour de moi dans ma vie. Et je ne fais pas donc voilà de polémique dessus. Donc il va se trouver sur Amazon, vous pouvez me le commander directement, et donc il doit se trouver aussi sur un site de vente, mais bon, le mieux c'est qu'il est aussi sur ma page Facebook, et vous pouvez comme ça passer directement par moi. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.